Comment préparer une consultation de cardiologie en 4 points. Alors, je fais cette vidéo parce que, bien souvent, les gens débarquent au cabinet les mains dans les poches et ils ne nous donnent pas les renseignements essentiels, à la fois pour faire un diagnostic, mais aussi pour prévoir les examens complémentaires nécessaires ou même leur donner des médicaments. Le point numéro 1, c'est le recueil des antécédents. Il est essentiel que l'on sache ce qu'il vous est arrivé avant. Par exemple, si vous êtes asthmatique, vous devez nous le dire parce que ça va contre-indiquer l'emploi de certains médicaments. Le deuxième point, c'est l'évaluation de vos facteurs de risque, vos antécédents, votre tabagisme, mais aussi vos degrés de cholestérol et de diabète. Donc, si vous avez un bilan biologique, il faut absolument nous le rapporter. Troisième point, il nous faut la liste des médicaments que vous prenez avec les doses que vous prenez. Si nous n'avons pas ça, nous serons incapables de vous prescrire le moindre médicament que ça soit, parce que comme vous le savez, parfois il y a des interactions et on ne peut pas prendre ce risque. Dernier point, l'analyse de vos symptômes. Essayez d'analyser du mieux que vous pouvez vos symptômes. Par exemple, si vous avez une douleur thoracique, regardez à quel endroit elle est, où elle irradie, quand est-ce qu'elle vient. Si vous avez des palpitations, essayez d'en déterminer la durée, le rythme, la tolérance. Ça nous aidera beaucoup pour établir notre diagnostic et vous soigner du mieux que l'on peut.